Salut à tous, Alexis de Cours de Guitare 76. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau morceau. Il s'agit de Stolen Dance de Milky Chance. Comme d'habitude, on verra les accords, le rythme et la structure du morceau. Et à la fin, un petit bonus. On commence tout de suite avec les accords dont on va avoir besoin pour jouer ce morceau. Beaucoup de barrés pour ce morceau. On commence avec un sol dièse mineur. Pour faire ce sol dièse mineur, on va placer son index dans la quatrième case. On va essayer de barrer les six cordes. Et par-dessus, on va ajouter un schéma de mi mineur. Donc, l'annulaire, corde de la, donc la deuxième corde, sixième case. L'auriculaire, corde de ré, sixième case aussi, donc la troisième corde. On a le droit aux six cordes, on peut tout jouer. Sol mineur. Sol dièse mineur, pardon. Ensuite, on va avoir un fa dièse majeur. Barré, six cordes aussi, deuxième case. Par-dessus, on ajoute un schéma de mi majeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'annulaire, corde de la, la deuxième, en quatrième case. L'auriculaire, corde de ré, la troisième, quatrième case aussi. Et le majeur, troisième case sur la corde de sol, quatrième corde, ça nous donne fa dièse majeur. Ensuite, mi majeur. Pas de barré pour celui-là. Donc, majeur, corde de la, la deuxième case. L'annulaire, corde de ré, la troisième, deuxième case aussi. L'index, corde de sol, première case. On peut jouer les six cordes. Mi majeur. Voilà les trois premiers accords. Ensuite, on va avoir si majeur en barré, septième case. Donc on barre la septième case, on ajoute une position de mi majeur, ça nous donne l'annulaire, corde de la, la deuxième, en neuvième case. L'auriculaire, neuvième case aussi, mais corde de ré, juste en dessous, la troisième. Et la quatrième, corde de sol, huitième case, avec le majeur. On a le droit aux six cordes. Ensuite, on va avoir un ré dièse majeur. Donc, on va barrer ce coup-ci 5 cordes en 6e case. Par-dessus, on va ajouter un schéma de la majeur. Donc, soit comme ça, soit comme ceci. Avec l'annulaire, on peut barrer les 3 cordes. Sachant que dans ce morceau, on ne jouera jamais la corde demi-aiguë. Donc, on peut tout à fait se permettre d'utiliser ce schéma-là. Donc, si je récapitule, ça nous fait l'index qui barre 5 cordes en 6e case. Et par-dessus, schéma de la majeure. Donc avec l'annulaire, on va barrer les trois cordes. La troisième, la quatrième, la cinquième, c'est-à-dire corde de ré, corde de sol, corde de si, en, du coup, huitième case. Ça nous fait 6, 8, 8, 8. Ré dièse. Voilà. Ensuite, pour le refrain, on aura besoin du mi majeur, une fois de plus, mais ce coup-ci en barré. On l'avait vu juste avant. En accord ouvert, on va le voir tout de suite en barré. Septième case, on barre 5 cordes avec l'index, donc tout sauf la première, sauf la corde demi-grave. Et on ajoute, pareil, un schéma de la majeure. Donc avec l'annulaire, on va barrer les 3 cordes, ré, sol, si, en 9e case, ce coup-ci, ce qui nous fait 7, 9, 9, 9. Voilà pour le mi majeur du refrain. Et je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait, on a fait le tour. J'ai regardé ma petite anti-sèche. On a tous les accords pour jouer ce morceau. Je récapitule très 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 vite. Sol dièse mineur. Fa dièse majeur. Mi majeur. Si majeur. Ré dièse majeur. Mi majeur ici. Avec ça, on a tous les accords pour jouer le morceau. On passe tout de suite à la rythmique. Pour la rythmique de ce morceau, j'ai fait quelques choix. Dans la première version, je vous montre la rythmique principale qui se joue au doigt. Ça va être une séparation entre les basses et les cordes de l'accord.
je vais vous montrer ça tout de suite, sachant que dans le morceau, vous pouvez entendre une deuxième guitare qui joue un arpège. Je vous le donne aussi, mais ça sera à la fin de cette vidéo, dans la partie bonus. Donc le rythme de ce morceau, je vais prendre le sol dièse mineur. Donc c'est un morceau d'un droit aux 6 cordes, mais comme je l'ai dit, on ne jouera jamais le mi aigu. La rythmique se passe comme ceci. Premier mouvement, je vais jouer la base de l'accord avec mon pouce. Donc la fondamentale, la base de l'accord, donc soit la première, soit la deuxième corde, suivant l'accord. Donc ici la première. Deuxième mouvement, avec l'index, le majeur et l'annulaire, idéalement, je vais les placer chacun sur les trois cordes qui m'intéressent, à savoir la troisième, la quatrième, la cinquième, corde de ré, corde de sol, corde de si. Donc j'ai le pouce sur la basse tout en haut et ces trois autres doigts en dessous. Donc premier mouvement, la basse. Deuxième mouvement, les accords. Donc je remonte mes doigts vers le haut afin de pincer les cordes vers le haut. Et je reviens. Ça me donne 1, 2. Troisième mouvement, je vais couper le son en tapant avec la main droite sur les 6 cordes. Alors, il y a les trop forts, juste de quoi couper le son. Et essayer de revenir en replaçant mes trois doigts là où j'ai gratté les cordes. Parce qu'au quatrième mouvement, je dois regratter ces trois cordes. Je récapitule. 1, la basse. 2, l'accord. 3, je tape. 4, l'accord. Ça me donne... Je recommence. Voilà. Et si je devais compter, je devrais compter... 1 et 2 et 3 et 4 et pour avoir une mesure. C'est comme ça que je récapitule cette rythmique. Si je fais tourner un petit peu sur un seul accord. Donc voilà, à vous de travailler le tapé afin de trouver le son qui vous plaît et qui est assez régulier. Le but du jeu, c'est ça, c'est que ce soit régulier sur tout le morceau. Voilà, ça donne à peu près cette rythmique-là. Voilà pour la rythmique du morceau, comme je vous l'ai dit, l'arpège, à la fin de la vidéo, en bonus. Donc maintenant, je vais passer à la structure du morceau. Structure du morceau, voilà, je vais vous découper ça rapidement. Il y a deux phrases principales et quelques petites transitions. Je commence par l'introduction, qui est quasiment la même chose que le couplet. Voilà, je vous montre ça tout de suite. On va avoir une mesure, donc une demi-mesure de sol dièse mineur, c'est-à-dire basse accord, tapé accord, deuxième moitié de mesure, fa dièse majeur. Donne pour la première mesure. Ensuite, une mesure entière de mi majeur, deux mouvements rythmiques. On a donc je passe au si majeur, septième case. Et le ré dièse, une mesure complète. Voilà, ça c'est ma première phrase d'introduction, je la fais deux fois. Ça me donne... Voilà pour l'introduction. Je passe au couplet. Ça va être exactement la même phrase. Au lieu de la faire deux fois, on va la faire quatre fois. Exactement la même. Pardon. Cette phrase-là, quatre fois pour le couplet, tous les couplets.
une fois que j'ai fait 4 fois ça, la phrase se termine par le Ré dièse. Une mesure complète. Je vais rajouter 2 mesures de cet accord complète, donc. Et ça, c'est ce qui va terminer mon couplet. Le couplet, je récapitule, 4 fois la phrase principale, plus 2 mesures complètes en Ré dièse. Voilà pour le couplet. Je passe au refrain. Le refrain, on va attaquer avec une mesure entière de Mi majeur. Ensuite, une mesure entière de Si. Ensuite, une mesure entière de Ré dièse. Et ensuite, une demi de Sol dièse mineur. Une demi de Fa dièse majeur. Je récapitule cette phrase principale du refrain. Voilà la phrase du refrain, on la fait 3 fois. 3 fois exactement comme ceci. La 4e fois, elle commence pareil. Mi, Si, Ré dièse. Et ce coup-ci, je vais rester une mesure entière sur Sol dièse mineur. Donc le refrain, 3 fois Mi, Si, Ré dièse, moitié Sol, moitié Fa. Ensuite, une fois Mi, Si, Ré dièse, Sol mineur, une mesure entière, Sol dièse mineur, pardon. Et je finis le refrain par une mesure entière de Sol mineur, Sol dièse mineur encore. Une demi de Sol dièse mineur. Et une demi de Fa dièse majeur. Donc la fin du refrain, ça me donne. Voilà, donc on a donc 3 fois la phrase. La 4e, c'est juste la petite fin qui change. Au lieu de couper la mesure en 2, on reste en Sol dièse mineur. On continue en Sol dièse mineur pour finir. Une mesure et demie et une demi-mesure de Fa dièse majeur. Et là, on peut repartir soit sur le bridge, soit sur le couplet. Je vous fais le refrain. J'accélère un petit peu. La première phrase. J'arrive à la 4e. Et là, très souvent, je vais tomber sur le bridge. Le bridge, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même phrase qu'on a vue en introduction et qu'on fait 2 fois. Voilà. Vous avez les 4 parties différentes, intro, couplet, refrain, bridge. Je répète, le bridge, c'est la même que l'intro. C'est-à-dire, Sol dièse. Voilà, exactement pareil. Voilà, pour toutes les parties du morceau. Après la structure, l'ordre. On va avoir l'intro. Ensuite, on va avoir couplet, refrain, bridge, couplet, refrain, bridge, refrain et une outro. Alors l'outro, c'est en fait du refrain. C'est en fait du refrain ou du bridge. Dans la version que j'ai moi, c'est plutôt du bridge, oui, qui finit par la phrase Sol dièse mineur, Fa dièse, Mi majeur, Si et Ré dièse, avec les deux guitares mélangées. Donc cette guitare-là, cette rythmique-là et celle qu'on va voir en bonus juste après. Je récapitule, intro, couplet, refrain, bridge, couplet, refrain, bridge, refrain, outro, c'est-à-dire plusieurs fois l'intro. En fait. Voilà pour la structure du morceau. Alors tout de suite, en bonus, le bridge, qu'on va jouer comme la deuxième guitare qu'on peut entendre dans le morceau, c'est-à-dire en arpège. On va utiliser la phrase introduction, couplet, c'est-à-dire une demi de Sol dièse mineur, une demi de Fa dièse majeur, une entière de Mi, une entière de Si, une entière de Ré dièse.
la phrase principale du morceau. Voilà, ça va être sur cette phrase-là qu'on fait deux fois à chaque bridge. Au lieu de la faire sur la même rythmique, vu qu'il n'y a pas de parole, on va essayer de trouver une autre partie. Du coup, on fait la deuxième guitare en arpège. Comment on va la faire? C'est un arpège qui va se passer à chaque fois sur les quatre cordes les plus graves de la guitare. Mi, la, ré, sol. 1, 2, 3, 4. On va les jouer. Moi, je le joue avec trois doigts, c'est-à-dire le pouce qui va jouer les deux premières cordes et l'index qui va jouer la corde de ré, la troisième, et le majeur qui va jouer la corde de sol, la quatrième. Dans l'ordre, ça donne d'abord une pince entre corde de mi, la première, et corde de sol, la quatrième. On va jouer en même temps, une pince. Ensuite, avec le pouce, je joue la deuxième. Avec l'index, la troisième. Je rejoue la deuxième avec le pouce. Et la quatrième avec le majeur. En même temps, la corde de mi grave et la corde de sol. Corde de la, corde de ré, corde de la, corde de sol. Ça, ça me donne une demi-mesure. Une mesure complète, ça fera... Voilà, un arpège pas franchement compliqué, avec le petit encart que vous pouvez voir. Il faut le travailler tout doucement, et petit à petit, ça va venir, sachant que c'est les basses qui doivent emmener la machine, si je peux me permettre. Le mouvement. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire la phrase et de respecter les temps. Une demi de sol dièse mineur, une demi de fa dièse majeur, une entière de mi majeur, une entière de si majeur, une entière de ré dièse. Préciser bien sûr sur le ré dièse, vu que l'accord est décalé, la fondamentale est sur la corde de la et non plus sur la corde de mi. Il suffit juste de décaler vos doigts d'une corde vers les aigus, vers le bas. Au lieu d'attaquer sur la première, deuxième, troisième, quatrième, on attaque sur la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc si jamais j'enchaîne, par exemple, je viens d'un refrain, et je pars sur le bridge, et je repartirai après sur un couplet. Je vous montre le petit enchaînement. Avec ça, vous pouvez enchaîner tout le morceau sans aucun problème. C'est, disons, très proche du vrai morceau. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver bientôt sur Cours de Guitare 76. Ciao !